Fin août 2016, cette sortie botanique nous emmène en Camargue sur les communes de Sainte-Marie-de-la-Mer et du Salin de Giraud. Nous cheminerons sur une digue au bord de la Sensouire, entre étang salé et dunes, en direction de la plage de Bauduc. Notre sortie commence après avoir laissé la voiture sur le parking à côté de l'observatoire du Fangassier. La digue, modestement protégée de l'érosion par des galets et des poteaux en bois, passe au milieu des étangs salés. Entre l'étang du Fangassier et l'étang du Galabert, la digue nous servira de sentier pour rejoindre les dunes et enfin la mer. Alimione portulacoïde. Cette plante ne manque pas de noms communs, à roche pourpierre, à roche faux pourpier, aubione à fruits sessiles ou encore aubione faux pourpier. L'étang du Fangassier, autrefois propriété des Salins du Midi, était utilisé pour la production du sel. En ce moment, l'étang est à sec et le sel est bien visible. Aujourd'hui, c'est le Conservatoire du Littoral qui gère les lieux. Le chemin traverse désormais les dunes du littoral. Echinophora spinosa. Ses tiges souterraines et ses racines sont comestibles, mais cette espèce est protégée dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses parties aériennes se dessèchent et disparaissent entièrement à l'automne. Mais le rhizome, restant en terre, la plante croît à nouveau au printemps. Eryngium maritimum, c'est le panicot maritime, espèce protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, car elle souffre de la disparition ou de la fragilisation de son habitat. Cette espèce se rencontre en milieu bien éclairé, sur les jeunes dunes et les dunes mobiles, ainsi que sur le haut des plages où elles contribuent à stabiliser les sols. Le panicot de mer est l'emblème du Conservatoire du Littoral. Je m'aventure très momentanément sur la dune, à proximité immédiate du chemin, en faisant attention à ne pas piétiner la végétation fragile. Un oiseau marin a laissé sa trace. Oenothera bienis, l'onagre bisannuel, introduit de Virginie en Europe depuis le commencement du XVIIe siècle. Elle s'est immédiatement retrouvée à l'état sauvage. L'onagre était utilisé depuis des siècles déjà par les Indiens d'Amérique. Ils faisaient infuser la plante, la transformaient en cataplasme contre les ecchymoses et autres problèmes de peau.
Erianthus ravenae. La plante, d'un bel effet ornemental, est cultivée dans les parcs et les jardins. Cachil maritima. Ces graines ont la particularité de pouvoir être transportées par la marée pour germer ensuite sur une autre plage. Depuis mon départ, les libellules sont omniprésentes. L'une d'elles me permet de l'approcher un peu. Inula crithmoide. Poussant dans les marais salées, c'est un indicateur de présence de sel dans le sol. Limonium virgatum, plante qui pousse sur les rochers maritimes exposés, mais aussi dans le sable comme ici. C'est une espèce qui résiste bien aux embruns salés, au sol gorgé de sel et d'eau, à la sécheresse et au vent violent. Salsola cali, on trouve dans ses cendres une grande quantité de soude. Autrefois, on l'extrayait pour la fabrication des savons et dans les verreries et dans les ateliers de peinture. L'Euphorbia paralias cohabite ici avec l'Ammophila arenaria. C'est l'Oya. Ici, c'est la sous-espèce méditerranéenne. Elle fixe le sable grâce à ses racines qui constituent un réseau important et joue un rôle écologique d'une extrême importance en piégeant les grains de sable avec ses racines. Voilà l'arrivée sur la plage de Bauduc, avec la mer qui n'est plus qu'à une centaine de mètres. Je vais enfin pouvoir me rafraîchir. Cette sortie nous aura fait découvrir une partie de cette flore typique et sensible de Camargue. La Camargue compte parmi les régions les plus sèches de France. Ici, les conditions difficiles de manque d'eau, de forte salinité et de vent violent ont permis malgré tout à la diversité de s'exprimer.